Genesis 2, 18. L'Éternel Dieu dit, the Lord God say, il n'est pas bon que l'homme soit seul. It is not good that the man should be alone. Je lui ferai une aide semblable à lui. I will make him a helper fit for him. Verset 21. In the verse 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man. Il s'endormit. And he slept. Il prit une de ses côtes. He took one of his ribs. Et referma la chair à sa place. And closed up its place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. And the Lord formed a woman with the rib to fall. Et il l'amena vers l'homme. And brought to man. Voici cette fois celle qui est os de mes os. The woman said, "This at last is bone of my bones, chair, and flesh of my flesh." On l'appellera femme. She shall be called woman. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Because she was taken out of man. Amen. Amen. You may be seated. Comme nous le faisons toujours, as we always do, chaque fois que nous célébrons un mariage, each time we celebrate a marriage, nous profitons de cette occasion pour parler du mariage. We take profit of that occasion to speak about marriage. Faisons un peu comme ce que William Branham nous a enseigné. Let's do a bit like William Branham taught us. La culture spirituelle au temps convenable. The spiritual food in the appropriate time. Et nous allons voir l'architecte du mariage. Then we will see the architect of marriage. Vous pouvez déjà savoir que cet architecte c'est Dieu lui-même. Then you can already know that architect is God himself. Il a fait quelque chose de formidable en matière de mariage. He did something wonderful about marriage. Il a dit, he said, qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. It was not good for men to be alone. C'était un plan. It was a plan. Il avait un plan. He had a plan. Il a vu l'homme. He saw man. Il dit, mais attends, pourquoi il est seul? And he said, wait, why is alone? Et quand il a vu l'homme, and what he saw man, il a vu les préoccupations de l'homme. He saw what man was thinking about. Il a vu que l'homme a besoin d'avoir un enfant. And he said, man needs a child. Il a vu que l'homme a besoin de se construire une famille. He saw that man needs to build a house. Il a vu que l'homme a besoin d'un certain équilibre. He saw that man needs to be. Et il a compris que cet homme sans la femme sera déséquilibré. And he understood that men without women will lose some equity. Alors il a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. And he said it's not good for that man to be alone. Et il a dit je lui ferai une aide qui lui soit semblable. And he said I will make for him an helper who will be his good like. C'est ce que Dieu avait dans son plan. That what God has in his plan. C'est ce qu'il avait planifié. This is what he planned. Par rapport à l'homme. For man. C'est comme un architecte. It's like an architect. Auprès de qui vous venez. Towards whom you come. Et vous lui dites, regardez, un territoire est vide. And you tell me, look at this land. Qu'est-ce qu'on peut bien faire là? What can we do there? Il commence à planifier une sorte de maison par rapport à ce territoire. He starts to plan a kind of house according to that land. Et il dessine la maison. And he makes a drawing. Et même parfois en fonction du terrain. According to the land. Et il vous dessine quelque chose. And he draws something. Et il vous ressort tout un schéma. And will bring out a shape. Mais ce qui est magnifique. What is wonderful. Ce qui est magnifique avec ce plan qui sortira. What is wonderful with that plan? Je voulais dire à Frère Maturin de venir. Où est sa femme? I would like to ask Brother Maturin to come. Where is his wife? Et avant ça, please. Come over here. T'as
Ta femme est où? Where is your wife? Il y a longtemps je ne l'ai pas vue. Long time I didn't see her. J'aimerais vous rencontrer vous deux avec votre femme. I want to see both of you. Je parle des mariés quand tu es au fond. Speaking about the married ones, you are in the back. Et l'architecte va monter la maison. And the architect will build the house. Et en montant la maison, by building the house, on va commencer à schématiser le plan. You'll start to draw the plan. Et va vous dire, and will tell you, combien de briques vous aurez besoin pour cette maison. How many bricks you'll be needing for that house? Combien de sable vous en aurez besoin? How many bags of sand you'll be needing for that house? Le camion de sable. The tracks of sand. Combien de camions de gravier? How many sands of stones? Combien de fer vous aurez besoin? How many irons you'll be combien needing? Combien de tonnes de ciment vous aurez besoin? How many tons of cement you will needing? Pour bâtir ça. To build that. Il peut même aller plus loin. You could even go further. Jusqu'à vous montrer en combien de temps vous pouvez réaliser ça. To show you how long you can achieve it. Avec quel type with de main d'œuvre. Which kind of workers. Et le financement de ce projet-là. And the finance of peut même vous sortir le coût du financement. He could even tell you the cost of the finance. C'est ça un architecte. That is an architect. Il étudiera le sol. He will study the ground. Et il comprendra à quel type de profondeur on pourra poser les fondations du sol pour bâtir le type de maison dont vous avez besoin. And in which level of deep you will put the foundation of the house you would like to build. C'est ça, un architecte. That is an architect. Et cet architecte. And that architect. Qui planifie, who plans, qui fait la programmation pour la maison, making a program for the house building. Nous en avons aussi un comme ça. We also have one like et that. Il est super. And is a super one. Et c'est Dieu. It is God. Il est aussi l'architecte du mariage. He is also the architect of marriage. Il ne vous laisse pas aller au mariage comme ça parce que c'est toute une maison que vous bâtissez quand vous vous mariez. He will not leave you going to the marriage like that because it is a house you go. Il faut aller vers l'architecte. You need to go to the architect. Il vous dit exactement ce qu'il vous faut pour ce mariage. So that he will tell you what you really need for that marriage. Qu'est-ce que l'architecte du mariage va te dire? What the architect of marriage will tell you? Il va d'abord te dire will start to tell you qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. That is not due for a man to be alone. C'est sa conception. That is idea. Et ensuite, and after, il va te dire que cet homme, il lui faut une femme. He will say this man needs a woman. Tu vas te dire mais le plan. And you will say yes. But the plan. Et il va commencer à te montrer le plan du mariage. And he will start to show you the plan of marriage. Pour que ce soit quelque chose de fort. For it to be something strong. Il va te montrer les fondations que tu la dépense des fondations. He will show you the expenses of foundation. Donc, tu veux te marier? You wanna be married? Où sont les fondations que tu mets pour ce mariage? Where are the foundations you put for that marriage? Tout mariage, any marriage, doit avoir des fondations. Must have foundations. Quand tu veux te marier, when you want to be married, tu dois savoir qu'il te faut avoir de l'argent. You must know that you need money. De l'argent. Money. De l'argent money for what? Pas simplement pour aller noter une femme. Not for the traditional ceremony. Mais pour l'entretien. But to maintain your wife. Parce que cette femme doit manger. Because that woman must eat. Cette
femme doit se soigner. That woman must maintain herself. Cette femme doit s'habiller. She must clothe. Et quand elle sera en grossesse, and when she will be pregnant, ça sera encore plus difficile que ça. It will be more difficult. Parce qu'elle sera, elle va plus manger ce que vous mangez tous. Because she will no longer eat what all of you eat. Elle va commencer à avoir des goûts bizarres. Will start to have strange taste. Et il va falloir maintenant que tu gères ça autrement. And now you have to, you learn to manage it. Otherwise, tu aies de la patience. You need to be patient. Faut pas que tu sois bénigne. You should not be out of way. Il faut que tu sois plein d'amour. You must be full of love. Et tu dois être plein de tolérance. And you must have full of acceptance. Et il doit te préparer par rapport à cette fondation. And you must be prepared for that foundation. Et il prépare l'homme, il prépare aussi la femme. He prepares men, he prepares ladies as well. Qu'est-ce que nous remarquons? What do we notice? Les gens ils se marient. People are getting married. Sans aucune fondation réelle. Without any real foundation. Et le mariage là ne dure pas longtemps. And that marriage does not last long. À peine ils se marient, à peine ils veulent se séparer. Just the time they get married, they want to be separated. Il n'y a pas une vraie fondation. There is no true foundation. Il ne s'était pas préparé à entrer dans un mariage. He was not ready to get into marriage. Il ne savait même pas ce que c'est un mariage. They don't even know what is marriage. Dieu, God, ne va pas prendre la femme là loin de toi. Will not take that woman far away from you. So that you will not say it's not something like me. Le mariage, marriage, il va endormir l'homme. It will bring the man to sleep. Et il va soutirer la corde de l'homme. And will withdraw the ribs of man. Il va fabriquer cette femme de toi l'homme. And you will make that woman from you. Ça sera un produit sorti de toi même. It will be a product coming from pour you. Que ça soit said, que cette femme me dérange. That woman is troubling me. Mais elle est sortie d'où pour qu'elle vienne te déranger? But where did she come from to trouble you? Elle vient d'où pour qu'elle te dérange? Where did she come from to trouble you? Mais elle est supposée sortir de toi. But she's supposed coming from you. C'est une corde qui est sortie de toi. Where is the ribs from you? Elle a été formée à base. Coming from you. Elle est devenue l'image de ton image. She became the image of your image. C'est pour ça qu'on dit off de ses os. That's why we say born. Chair de sa chair. Flesh of your flesh. C'est parce qu'elle est sortie de toi. Because she came from. Elle reflète ta nature. She reflects your nature. C'est toi-même en double. It is yourself in double. C'est ta jumelle. It is your twin. Ses fautes sont tes fautes. Her faults are you. C'est bien, c'est bien. Her good things are you. C'est ton image, c'est ta ressemblance. And your image, you look like. C'est toi qui viens de te dupliquer. You just being duplicated. Quelle sorte d'architecture tu veux avoir de ton mariage? Which kind of architecture you need for your marriage? Est-ce que c'est toi-même qui l'a construit? Is it you the one who made her? Est-ce que c'est Dieu qui est le bâtisseur de ce mariage? Is it God who's the builder of that marriage? Si c'est pour que ça soit fait solidement. For it to be done in a strong way. C'est un mariage qui ne peut plus se casser. It is a marriage who can no more. On ne verra pas les fissures. We will not see the scroll. Parce que l'architecte c'est Dieu. Because the architect is God. Le mélange qui a été conçu pour bâtir ça. The mixture which was made to. C'est un mélange solide. It's a strong mixture. Il n'y a aucun parent qui peut venir en. There is nothing who can destroy it. Parce que l'architecte.
one to other. Qui est l'architecte de leur mariage? Who is the architect of their marriage? C'est qui l'architecte de leur mariage? Who is the architect of their marriage? Dieu n'a jamais été architecte d'un copinage. God has never been an architect of boyfriend or girlfriend. Allez regarder tous les plans, les fichiers de Dieu. I want to check all the plans and the files. Il n'y a pas un fichier où il a planifié l'union libre. There is no file he made a plan for a free. C'est pour cela que ça ne peut pas exister dans la maison de Dieu. That's why it cannot exist in the house of God. Que nous vivons ensemble. That we are living together. Say que dans mes aspirations premières, what I've been needing
skinny at first. C'était mince. Maintenant qu'elle est grosse, elle me dégoûte. Skinny. Now she's fat. I don't like her more. Il fallait vérifier si cette grosseur-là n'existe pas dans la famille. You should have checked if that big fat does not. Et il fallait mettre un pèse-poids à la maison chaque fois que un poids de plus vient. Tu commences à la bastonner pour qu'elle soit mince. And you should have put a scale at home so that you can. De sorte que tu ne puisses plus jamais avoir une grosse. And in that way you will. Parce que ça fait pas partie de tes aspirations. Because it's not part of your conditions. On doit savoir. We must know. Quel type de maison nous bâtissons? Which kind of house we are building? Pour ne pas créer des dérangements après. Not to create any trouble. Parce que je ne sais pas qui nous voulons nous faire mentir dans cette affaire. Because I don't know who we want to. Voulons nous faire mentir l'architecte? Do we want to bring the architect to life? Voulons nous faire mentir nous-mêmes? Or maybe ourselves. Tes aspirations. Your what you need. Si tu as une belle femme, if you like a pretty woman, tu veux une belle femme pour combien de temps? For how many time? Parce que la belle femme, because the beautiful lady, c'est une fleur, is a flower, qui doit faner, who has to obligatoirement, that's a compulsory, qui doit faner, she must relinquish. Est-ce que tu comprends ça? Do you understand it? La belle femme, c'est une fleur qui fane. Beautiful lady will relinquish. Donc, si elle est jolie aujourd'hui, if she's pretty today, elle ne sera pas jolie dans, elle ne sera plus jolie dans 3-4 ans. She will no more be pretty within 3-4 years. Et si tes aspirations pour marier une belle femme, c'est la beauté? And what you need in a woman? Ça veut dire que ton mariage va durer 4 ans. It means your marriage will last 4 years. Parce que ce qui fait la beauté d'une femme, what making the beauty of a lady, avant c'est d'abord l'innocence. Before is the innocence. Elle est vierge, elle est innocente. She is virgin. Elle n'a pas de ride. Innocence without anything. Et après, il y aura l'accouchement. She will give birth. Quand le ventre la morfe, quand vous voyez sa morfe là, when that baby will become big. Quand le bébé la sort. When the baby comes out, le ventre là ne revient plus comme c'était avant. That belly will no more become as full as. Même si le ventre revient, il n'y a rien dans le ventre. La peau là est déjà devenue élastique. Even if that belly comes back and there's nothing. La peau là va tomber. That skin will fall down. Et puis il y aura maintenant les vestiges. Comment on appelle ça? Les vestiges. Then you will see the scratches. That skin which was bizarre. Then you will start to see the strange things on it. Bizarre dans le ventre. The strange things. Les vergetures. On the belly. Et puis le sein. And the breast. Qui avait gonflé. Which was big. Après l'allaitement. After she gave milk, commence à vouloir the baby will start to fall down. Et puis les réveils tous les jours. And every day, commence à froncer son visage. Things will start to darken her face. Et à force d'avoir mis le tissage, and has used to put hair. Là où les cheveux sont fragiles, ça tombe. The place hair is weak. Le moment vient, commence à s'installer. And things will happen les vergetures s'installent. Et les seins tombent. The breast falling down. Et le visage est froissé par la nervosité de tous les jours. And the face is scratched, being hungry every day. Alors cette femme que tu avais appelée jolie là, that lady woman you called pretty, 5 ans après n'est plus jolie. 5 years after she. C'était quoi? Parce que l'architecte, because the architect, il a aussi prévu les vents et les tempêtes qui s'abattront sur la maison. He had also planned winds and storms. L'architecte a déjà prévu que cette maison aura des vents violents dessus. As we planned that il y aura des pluies abondantes qui tomberont dessus. And strong winds falling down that house. Et à un moment donné, there shall be a time. La maison ne va pas toujours refléter.
Elle a frotté. She moisturized her skin. Elle peut frotter. Now she can moisturize. 10 ans, 20 ans. 10 years, 20 years. Mais il y aura une période où la peau la refuse maintenant. There shall be a time the skin will refuse. Tu frottes, la peau dit que moi je ne peux plus me convertir. You moisturize and the skin will say I can no longer. Je suis fatigué. I am tired. Je trop encaissé. I've received so much. Le temps a le sort. That skin you want, you need. Est-ce que tu as prévu ça? Did you plan it? Quand le temps ne sortira plus malgré moi la frotté. When that skin will no more change despite moisturizing. Et maintenant ça fait l'effet contraire. And now it will be the contradictory effect. Ça donne maintenant un visage brûlé. Giving a burnt face. Ratatiné. Of such bad face. Le visage devient froissé. Becoming scratched. Ratatiné parce que nous autres ne passons plus. Because the moisturizing does not work anymore. Bon, qu'est-ce que tu vas faire de ce bâtiment? Now, what shall you do about that building? L'architecte. The architect. A prévu tout ça. Planned everything. Il a prévu qu'il y aura des enfants. He planned there shall be children. Et les enfants là vont briser ce corps là. And that those children will. Les enfants là vont fatiguer le papa là. They will bring that daddy to be tired. Et le papa là, à un moment donné, ne pourra plus supporter la pression. And that father will no longer support the pressure. Et mon frère, est-ce que tu es prêt à ça? My brother, are you ready for all the things? Donc le mariage. The marriage. C'est pas comme vous pensez là. It's not like you think. Il est beau, mon frère, ici. Si he's handsome, my brother. Some guy. J'ai eu une belle dame. I got a pretty woman. Le gars qui casse les carreaux. Oh, this man is handsome. Le gars qui casse les carreaux là va perdre l'emploi deux ans après. Boy can lose his job. Va être sans chômage. And will be jobless. Dans lequel on cherche le travail, on ne trouve plus. And will be looking for job and est-ce que l'architecte avait déjà prévu ça? But the architect has already. Manufacturing.
think about the time of crucifixion. Gethsemane. Il y a un Gethsemane dans le mariage. Le temps de la persécution. The time of persecution. Et il faut aussi prévoir le temps de la mort. And we need to think about the time of death. Avant de prétendre avoir la résurrection. Before pretending our resurrection. Et attendre le Saint-Esprit et l'adoption. And waiting for the Holy Ghost and adoption. Le mariage traverse toutes ces étapes. The marriage goes along. Où est le plan architectural? Where is the architecture? Qui a planté ça? Who built it? Here, c'est la marque des temps.
that's the master which played on you. Et il fallait se battre durement. And we have to fight. Les envoyer à l'école pour leur donner un avenir. You must know how to accept it. Faut savoir comprendre c'est quoi le mariage. You must understand what is a marriage. Alors l'architecte. Then the architect. Il a bâti. He built. Le foyer. Il sait ce qu'il va faire. And he knows what he's going to do. Il a réuni des personnes. Et il les a unis pour un objectif. And he united for a purpose. Dieu est méticuleux. God does things with details. Vous savez, méticuleux veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il fait tous les détails près. He will do things in details. Si on inverse, if we put it down upside down, et qu'on prend, tu prends la femme de quelqu'un d'autre et que l'autre prend le mari de quelqu'un d'autre. You take the wife of someone else and le mariage là ne va même pas durer un an. That marriage will not last in 1 year. Amen. Tant qu'on est là, as we are here, on dit à frère Jude, we say brother Jude. Bon, prends Ida. Now take Ida. Donne à Gabriel. And give. Toi prends Brigitte Abigail. You take Brigitte Abigail. Ça ne va pas durer une semaine. It will not last 1 week. Parce que Gabriel, Dieu l'a donné la tempérance qu'il faut pour supporter une femme comme ça. Because Gabriel, God gave him the patience to support. Parce que nous nous sommes retrouvés dans des mariages. Because we were in the meeting. Qui veut parler? And we say, who wants to speak? Abigail, Brigitte a déjà levé la main. Abigail has already raised up her hand. Il dit, bon, on te donne la parole. Saying, you are the word. Il dit, moi je voulais dire que Gabriel. She said, I wanted to say. This I don't like. Gabriel est simplement en train de se faire. Gabriel is just there smiling. Dieu lui a donné ce cœur. God gave him that heart. Pour savoir supporter une femme comme ça. To know how to support. Alors si Jude te donne ça. Now Jude, if we give you. À la minute près, tu commences à gonfler de colère. Just in the minute you'll be. Et tu auras beaucoup de points beaucoup. And you will. Le mariage va se casser. And that marriage. Donc Dieu connaît qui il donne à qui. Now God knows. Dieu ne se trompera pas. God
to cook the food that you Il te donnera la femme qui sait fermer la bouche quand tu gueules. The woman who can bring you to shut your mouth. Il te donnera la femme when you speak loudly. Qui peut te supporter a lady who can dans tes passions. You in your patience. Et qui peut même t'accompagner dans ces passions-là. And who can assist you in your patience. Parce que toi, tu as des passions bizarres. Because you are a strange patient. Et cette femme. And that woman. Est adaptée à ces passions-là. Is appropriate to those pour patients. Pour te supporter dans ça. In order to support. Un mariage a des précisions mathématiques. Marriage has mathematics precisions. Amen. Only her who knows how to guide it. C'est pour cela ne viens pas dans ce foyer, tu commences à parler, moi je ne comprends pas pourquoi ça, pourquoi. Frère, Dieu vous a interdit de parler des histoires de mariage parce qu'il sait que vous ne maîtriserez rien. Et il a laissé le soin au pasteur de s'en occuper. It was given to the pastor. Parce que Dieu sait que c'est lui seul qui a habilité à pouvoir mieux comprendre because tout ce qu'il va avoir de la mort. God knows it, the Holy One can speak about it. Mathematic precision. Il connaît l'homme ou la femme qu'il vous faut pour accomplir son plan divin dans votre vie. Oh, the woman or the lady you need in order to. Si vous êtes une sœur, if you are a sister, une porte de quelqu'un a été utilisée pour vous former. A tent of someone has been used. Et si vous êtes un frère, and if you are a brother, votre porte a été utilisée pour créer une sœur. Your race has been used to create a sister. C'est ça que dit la Bible. This is what the Bible says. Si tu es une sœur, alors quelque chose s'est passé. Something happened. Dieu a pris, t'a pris en fonction du corps d'un homme. God has taken you according to ribs of men. C'est pour cela. That's why. Dans l'adaptation. In order to adapt. Tu ne peux pas toi seul t'adapter à quelqu'un d'autre. Yourself, sister, you cannot adapt to. Et toi, frère, tu ne peux pas non plus t'adapter à quelqu'un d'autre. And you, brother, you adapt yourself to a lady. Il y a trop de précision mathématique dans la porte. Too much mathematic precision in the ring. Je sais pourquoi il a tiré ça, il a formé ça, il a fabriqué ça. God knows why he pulled it out, he formed it, he does. Donc frère, quand vous vous mariez, brothers, when you get married, découvrez d'abord toutes ces charges. First of all, discover all those details. Alors comment pourrais-je identifier mon partenaire? How shall I identify my partner? Que Dieu a choisi pour moi. God has chosen for me. Mais c'est une question qui mérite une réponse. It is a question which deserves an answer. Votre réussite dans la vie. Your success in life. Dépend de votre partenaire. Depends on your partner. La vérité c'est que votre destinée dans la vie est liée à votre partenaire. The truth is your destiny in life is according to your partner. Oui. Yes, sir. J'ai dit à Christella directement. I spoke to Christella. Je suis pasteur. I said, I'm pastor. Le seul homme au monde qui peut te supporter. The only man in the world who can support you. C'est Gaël Lemon. Is Gaël Lemon. Je dis, je suis pasteur dans cette église. I said, I'm pastor in this church. Je
connais même les épreuves qui vont arriver dans ta vie après ça. I even know the trial you will face. Mais celui qui a l'endurance. And the one who can endure. Qui pourra surmonter ça. And who can be above. C'est Gaël. Is Gaël. Et je lui ai dit, tu ferais mieux de te marier. And I told you, et je vous dis honnêtement, mes frères, si Gaël n'était pas dans la vie de Christella, Christella serait déjà dans la tombe. Vous ne connaissez pas ce que c'est que le mariage, mes frères. You don't know what is marriage, brothers. Il y a des histoires incroyables dans le mariage. About things in the marriage. Il y a parfois même savoir garder le secret de l'homme. Sometimes you should know to keep the secret. Et gérer ça avec beaucoup d'aisance. And to manage it comfortably. C'est un caractère. Il y a beaucoup d'histoires, ça va supporter la maladie d'une femme. Lots of stories knowing how to ça va supporter la pauvreté d'un homme. To know how to support the poverty of man. Ça va supporter. To support la stérilité d'une femme. Sterility of woman. Ça va supporter. To support. Mais mes frères. My brothers. Probably
to marry a woman. Moi, j'ai marié Maman Goma ici. I married Maman Goma here. Depuis 25 ans. For 25 years. C'est comme si je n'ai plus de frères, je n'ai plus de sœurs. It's like I no more have brothers and sisters. Je suis mon frère de père et de mère. As a father and mother. C'est elle qui constitue tout, même l'ombre. She is out of everything, even the shadow of my existence. Je vais aller là-bas, je l'appelle, je suis de l'heure. Je vais revenir, je l'appelle, je suis. I want to come back. J'ai de l'argent, je veux m'acheter moi-même des vêtements. Mais merci Dieu. Je pense d'abord qu'il faut commencer à lui acheter elle avant de penser à moi-même. Entre temps, il y a des filles dont je vais lui mettre un petit collier, même les babouches de touche. Non, jamais lui. They have never received. Mais elle, je reviens avec 4-5 chaussures dans la valise. And for her, I come back. La femme, woman, c'est votre destinée. Is your destiny. Le mari, husband, c'est votre destinée. Is your destiny. Mes frères, my brothers, c'est ça que vous avez vu ce matin. That's why you saw this morning. J'ai dit, accompagnons un peu ces mariés. I said, let's go with them. Et asseyez-vous un peu en couple parce que j'ai besoin de vous donner la parole. In couples, because I've listened to give. Parce que parfois vous pouvez prendre because à la légère. Ce lien-là, le lien mariage, a link of marriage. Frère, c'est un lien plus fort. It's a link more strong. Le lien familial. The family link. Ça vous enrobe. It brings you in. Ça vous attache. It covers you. Ça vous lie. It bounds you. Au point où vous ne savez plus. It's a match you. Comment être? How to be? C'est drôle. Oh, it's strange. Vous pouvez avoir élevé un fils. You could have grown up with the son. Vous allez vous investir à 1000% pour lui. You invest 1000% for him. Le jour où il commence à travailler, the day he will start working. Si par mégarde il a déjà une petite qu'il aime, if it happens, une frère to him, he has a girlfriend. Mon frère pleurait seulement parce que vous n'aurez plus rien de ce temps. Ce garçon que vous avez investi pour toute votre vie. Rather, you can start weeping because you will have. Vous n'avez même plus de chance d'avoir une cravate de lui. You will not even have a tie. Vous serez là investi pour cette fille. You will have invested for that girl. Amen. Yes, sir. C'est toute une vérité. That's the truth. C'est pour cela. C'est très compliqué le lien. That's why it's a very complicated the link of marriage. C'est un lien qui est très fort. It is a link which is too strong. Et il faut que ça soit dans le plan de Dieu. It has to be to the God's plan. Maintenant, il ne faut pas aller prendre une fausse cote. No, you should not go to take a false ring. Il faut que la cote que Dieu a prise soit ta cote à toi. Rings that you have taken must be used. Parce que si tu te maries une femme en dehors du plan de Dieu, because if you got married with a woman, ton destin est automatiquement affecté. Your destiny is affected. More support the patient. Parfois c'est l'effet contraire. Sometimes c'est la soeur qui dit je suis là. Sister say I'm here. Et puis il fait la pression. And he makes pressure. Et puis quelque temps plus tard, pof. Vous sentez que l'homme ne peut plus tenir l'église. Sometimes you feel the man cannot. J'ai vécu ça dans cette église maintes. I've seen it in this church many times. Jusqu'à voir comment la foi de quelqu'un d'incrédule. You can see how the faith of someone can be. Voir comment
falling down. Et vous voyez comment tout se débrouille. And you see how everything is getting worse. J'ai perdu beaucoup de garçons ici. I lost many boys here. À cause des mauvais mariages. Of bad marriages. La mauvaise porte. The bad ribs. La mauvaise porte. Bad ribs. On n'a pas pris ça selon le plan architectural de Dieu. We didn't take it according to the architectural plan. Ça ne tient pas longtemps. Tout est récolte. It will not last longer. Everything. Et ça se détruit, ça se miette. Getting broken. Plein de ça. Lots of de cette église. Of this church. On subit ça. They, plein de frères. Many brothers. De cette église. Of this church. On subit ça. Face the et c'est dû à quoi? For which reason? Parce que comment peut-on affecter une destinée? How can we affect the destiny? La première plaie qu'on peut mettre dans une destinée. The first thing we can put in a destiny. Quand on te détache de ton église. When we disconnect you from your church or from your faith. Et qu'on peut déjà te détacher de ça. And we can disconnect you from that. C'est qu'on a déjà affecté ta destinée. Your destiny is already affected. J'ai dit non, nous sommes toujours dans le message. Frère, hey, no, we are still in the message. Être dans le message. Brothers, being in the message. C'est avoir une position. Is having a position. Et la position. And the position. C'est chaque personne qui a sa place dans son église. It is each person having a place. Et quand le mariage. And when the marriage. Te casse de ton église. Removes you from your church. Tu deviens un rétrograde. You become a. Peu importe l'église que tu fréquentes. We don't care the church you go. Tu es rétrograde. You're already down. Et ta destinée. And your destiny. Est déjà mise en course. Is already. Oh, in tu peux faire la tête et dire non, je suis dans une autre église, je suis à notre ministère. You non, say, c'est une destinée ébranlée, destinée détruite. Tu veux simplement te donner un peu de courage, mais c'est fini avec ta destinée. Just want to give yourself a courage, but. Qui répondra pour toi? Who shall answer for tu vas parler pour un pasteur d'emprunt pour répondre pour toi. You're not borrowing pastor. Même le naturel ne t'enseigne-t-il pas? Even the natural does it. Tu peux réclamer quelle sorte de sang dans ton corps en dehors du sang de ton père. Of blood you can call from your tu peux faire quel type d'ADN et t'attribuer à un père de which kind of test and you give yourself to an non-sparrow. Tu mourras dans ta vie naturelle. You'll have in you natural. Au nom du message,
behalf of the message. On a pris cette sœur pour l'allonger ici. We took that sister and accommodated her. À peine logeant cette sœur ici. Just the time she was accommodated. Qu'elle a détourné le frère. She de sa foi pour amener le frère à tomber avec elle. That brother from his faith. And à peine on la reproche. At the time we reproached. Elle a claqué les portes. Elle est partie avec Bobby. She left the church and went with the brother. Obey n'est plus là. And Obey is no more. Regardez simplement un seul petit lien. Just look a simple link. Qui n'est même pas arrivé au plomb divin. We did not. Même pas arrivé à la chair. To the alcohol. C'était juste un petit lien comme ça. It was just a small link. Regardez comment ça affectait complètement la destinée de frère Obey. It's have affected the OBS. Vous vous dites, et ça c'est le plus récent, ça s'est passé juste la semaine passée. To tell you, it's very recent. Just vous dire à quel point. To tell you, quand c'est pas ta porte. When it's not your ribs, tu vas mourir. You will die. Comment peut-on s'assurer que c'est ma porte? How can we be sure? Mais c'est l'architecture de Dieu. The architecture of God. L'architecture de Dieu dit ceci. The architecture of God says. Dans le plan que Dieu montre pour le mariage. In the God's plan. Il ne donne pas une incroyante à un croyant. It is taking a daughter of God for the Son of God.
condition. C'est ça le plan de Dieu pour le mariage. This is the God's plan for marriage. Parce qu'il y aura beaucoup de difficultés devant. Because there shall be lots of difficulties. Mais devant la parole de Dieu, la fille de Dieu s'incline. La crainte de Dieu dans le cœur. Fear of God in heart. La crainte de Dieu dans le cœur de la femme.
church. Mais c'est Dieu. It's God. Mais mes frères. Oh, my brother. C'est une vérité. That's the truth. Parce que si tu cherches les défauts d'un homme, if you look the mistake of man, le diable te montre pas. The devil can show you. Si tu cherches les défauts d'une femme, if you check, le diable te montre pas. Le mariage vous prend tout, ça vous prend tout.
healthy from the base. On apporte ça dans la prière, on apporte ça avec tout le sérieux possible. We go with that prayer with all the sins. On ne joue pas avec ça. We don't play around with it. Il faut que je comprenne pourquoi je dois me marier à tel homme. I need to understand why I should get married with that man. Je dois comprendre pourquoi je dois me marier à telle femme. I must understand why I should get married with that lady. Parce que sinon, because otherwise, Foundation. We are taking things in a little way. C'est pour cela,
Parce que je ne sais pas quelle sera l'avenir de tout ça. I don't know the future. Oui, on est trop vulnérable. We are too much vulnerable. Trop vulnérable. Too much vulnerable. On joue avec le mariage. We jump this marriage. Branham a dit c'est une destinée. Branham said it is a destiny. Il y a que deux choses qui vous lient à une destinée. Only two things bound in the destiny. Il y a le mariage et l'église. The church. Mes frères, ne jouez pas avec ça. My brother, don't jump with it. On ne peut pas être flottant dans un mariage. We cannot be floating in a marriage. On doit savoir sous quelle base on a été placé. We should know in which base. Frère, est-ce que tu sais pourquoi tu m'as marié? Brother, do you know why you married? Est-ce que tu es sûr que je suis une coque qui était sortie de toi? Are you sure I'm a rib? Et que je suis une partie de ta personne? And I'm a part of your person. Est-ce que tu es conscient de ça? Are you aware of that? Est-ce que moi, la femme, je suis conscient? Am I the lady? My person is in him. Mais attends. Wait. Parce qu'on est en train de parler de l'architecture du mariage. About the architecture of marriage. On est fatigué. We are so. Parce que la femme est plus belle. Because the lady is not pretty. Parce que l'homme n'a plus d'argent. Because the man has no more money. Et tout ça, c'est basé sur du sable mouvant. It's all on the sand. Il n'y a rien pour forcer le mariage. There's nothing to keep the marriage. C'est une affaire de côte prise dans l'un dans l'autre. C'est une affaire de destinée. C'est pas une affaire de parents manger. It's not about parents. Ne confondons pas les choses. Rather, don't confuse things. Oh non, je poutre, c'est pour ça que je pars chez mes parents, dans le cas de mes parents. C'est pas une activité commerciale. Rather, it's not a trade. Vous avez tout confondu. Confuse everything. Stop getting us tired. Mariez-vous sous les bases de la parole.
many of the things of the world. Pourquoi il y a plus de ça? Je suis en train de renverser tous vos plans, n'est-ce pas? Tous les plans du diable sont en train d'être renversés. C'est pour ça que tout le monde est en réflexion. That's why everybody's thinking. Je veux que quelqu'un dise encore un amen bien fort. Est-ce que ça vous fait du bien? Ça doit vous faire du bien. It must be good to you. Parce que c'est la parole de Dieu. Because the word of God. Nous n'allons pas céder. We will not. À ce qui n'est pas l'écriture. Leave what is not a scripture. Nous n'allons pas amener le mariage loin de la parole. We not bring the marriage far away from the word. Nous allons centraliser le mariage vers la parole. We will guide the marriage towards the word. Nous voulons que ceux qui se marient aillent vers Dieu. We want those getting married to go. Parce que s'il n'y a pas Dieu, il y aura des problèmes conjugaux. Because if there's no God, you'll be in trouble. Parce que la façon dont on traite son mariage. The way you deal with your marriage. C'est comme on peut traiter l'ordinateur. It's like you can deal with the computer. Si vous prenez l'ordinateur, you take the computer, mettez dans la poubelle, you put it in the garbage, la poussière, la saleté, tout ça termite, and dirty things, quand vous voudrez redémarrer ça, when you try to start, ça ne va plus redémarrer. It's, you will no more start. C'est comme le mariage. It's like marriage. Il ne faut pas laisser trop de poussière dessus. You should not leave too much dust. Il ne faut pas laisser que ça soit confondu à tout ce qui n'est pas Dieu. You should not leave it to be confused. Entretenez ça dans un cadre totalement à part. Maintenez it in a proper place. Ne mettez pas ça au milieu des ordures. Don't put that in the garbage. Il faut une vraie fondation. We need a true foundation. Oui, oui, il faut quelque chose de réel. Yes, sir, we need something real. Oh, je crois que nous comprenons ce que nous avons. I believe we understand what we are saying. Nous n'avons pas échoué dans le mariage. We will not fail in the marriage. Non, ma femme ne me comprend plus. No, my wife does not understand me. Vous devez entretenir un dialogue dans le foyer. You must keep a dialogue with my in elle doit te house. Parler, tu dois lui parler. She must speak to you and you to her. C'est pour cela qu'il faut que le mariage soit là. That's why we need a marriage to be there. Vous voyez mes frères? You see my brother. C'est très dangereux de rester longtemps fiancé sans être marié. It is very dangerous to remain fiancé. Quand la femme on gobe les enfants, on gobe les enfants. You give. Mais on marie pas. Children. Donc dis-moi, mais j'avais pas l'argent pour aller la monter. You don't marry a saint. Parce que pasteur Thomas avait demandé l'argent. Il ne passe pas comme un. Venez que je fasse la bénédiction. Come for me to bless you. Oui, oui, ça je vais le faire. Yes, sir, I'm gonna do it. Aucune date, la date que nous avons retenue ne sera renvoyée. There's no date we listed will be postponed. Si quelqu'un renvoie une date, on renvoie aussi de la femme. If someone postpone the date, we will postpone. Parce qu'il y a aucune raison valable. Because there is no real. Si c'est sans argent et sans prix. Here is without money and without soyons price. Soyons corrects, mes frères. Let's be correct, brothers. Soyons corrects par rapport à Dieu. Correct. Soyons corrects par rapport à ce que nous faisons. Let's be correct according to what oh, you say. Nous sommes heureux. Oh, how we are happy. Parler du mariage. Because they have spoken about marriage. Comme nous voulons maintenant que les gens soient unis réellement. Now we want people to be really united. Nous voulons les garder unis. We want to keep them united. Parce que nous voulons que l'homme et la femme soient unis dans les liens sacrés. Because we want the man and the woman to be united in the sacrament. L'épouse de Christ s'est unie à Christ. As the bride of Christ has been united to Christ. Cela fait partie d'un large défait. Dit pour garder le nom de Jésus-Christ. In order to keep the name of Jesus Christ. Au-dessus de toute église, au-dessus de toute chose. Donnons lui la première place. Let's give him the la Bible dit quoi que vous fassiez en parlant de l'homme, vous faites au nom du Seigneur Jésus. In words, do it in the name of Jesus. Il dit si vous devez célébrer un mariage. If you have to celebrate a marriage. Quelque chose n'est pas en ordre entre les conjoints. Something is wrong between the spouses. Do not marry them. Si vous ne pouvez pas librement dire, je vous déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ. Freely say, I declare you. Laissez-les donc aller. Leave them go. Oui, nous voulons que tout soit uni. Yes, we want everything to be united. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Oh, je crois que quand Dieu nous donnera l'occasion la prochaine fois. I believe God will give us the occasion next time. Je vous parlerai des détresses. I will speak about the distresses. Qu'est-ce qui crée les détresses? What distresses? À cause des détresses conjugales. Because of the distresses. Nous en parlerons certainement. We will speak for sure. Au prochain mariage. In the next marriage. Que le Seigneur vous bénisse. Make up.